Alors là j'ai deux nombres écrits, hein, ce nombre là 35 et 27. Alors bon là je les ai écrits comme ça, mais j'ai représenté, en fait là je les ai représentés avec des blocs. Donc ici j'ai euh, exactement ce nombre 35 puisque ça, chaque ligne de carré rose, ça représente une dizaine. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici j'ai trois dizaines, c'est ce 3 qui est là, et puis 1, 2, 3, 4, 5 blocs, donc 5 unités qui sont notés ici. Voilà. Donc, là, j'ai effectivement euh, représenté avec des blocs le nombre 35 que j'ai écrit ici. Alors, en dessous, j'ai fait exactement la même chose avec le nombre 27. J'ai deux dizaines et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités. Donc deux dizaines, elles sont là et 7 unités, elles sont là. Voilà. Alors ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est euh, additionner ces deux nombres. Additionner ce nombre-là et ce nombre-là. Donc en fait, je voudrais faire l'addition de 35 plus... 27 Voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais utiliser les représentations avec les blocs qui sont ici pour voir ce qui se passe. alors je vais le faire je vais faire un trait en fait je vais additionner ces blocs Alors additionner les blocs ça veut dire tout simplement les mettre ensemble hein, finalement donc là je vais commencer par additionner les unités Alors additionner les unités j'ai les unités du nombre 35 qui sont là je vais les copier en dessous, voilà. Et puis je vais ajouter celles-là, hein, qui sont les unités du nombre 27. Voilà. Alors je les place en dessous. Comme ça. Je peux les placer n'importe comment, c'est pas très grave. Alors là, en fait, ben je vais compter tout simplement combien j'ai d'unités. Hein. Bon, tu peux peut-être déjà le savoir, il y en a 5 ici et 7 là. Donc 5 plus 7, en fait, 5 plus 7, ça fait 12. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Effectivement, c'est ça. Alors là, il y a quand même un petit problème qui est quelque chose d'un peu gênant. C'est que du coup, j'ai envie de... Euh, je vais additionner mes unités en colonnes. Alors j'ai envie d'écrire un 12 ici, comme ça. Mais euh, ça ne marche pas, puisque là, c'est la place des unités. Je peux écrire qu'un seul chiffre. Je n'ai pas le droit d'écrire deux chiffres dans cette colonne des unités. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on trouve un, une manière de, de régler ce problème-là. Donc en fait, ce que tu peux imaginer, c'est compter, enfin tu vois là, il y a 12 blocs, et tu peux regrouper ces 12 blocs en essayant de faire apparaître des dizaines. Alors on va faire ça ici, donc je vais euh, recompter 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si je prends tout ça, si je prends tout ça, ça me donne une dizaine. Hein. Du coup, ce que, ce que je peux voir, c'est que quand j'écris 5 plus 7, ça fait 12, mais quand j'écris 12, alors peut-être que pour être plus clair, je, être plus clair, je vais l'écrire ici, 5 plus 7, ça fait 12, mais 12, ce qu'on voit, c'est que 12, finalement, c'est une dizaine et puis deux unités. Donc, je peux l'écrire comme ça. Hein. Alors, ça... En fait, une fois que tu as regroupé là, cette, cette dizaine qui est là, bah, elle n'a plus rien à faire ici, hein. elle ne devrait pas être à la place des unités. Donc, ce qu'on fait, c'est que en fait, cette dizaine-là, on va la déplacer, on va la mettre ici, dans la place des dizaines. Donc, ça, je vais, je vais le faire proprement. Hein. Je vais la mettre là. Voilà, là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ces, cette dizaine là, hein, ce groupe de 10 unités et je l'ai mise ici. Hein. C'est comme si on l'enlevait de là. Donc je peux même, si tu veux pour que ce soit plus clair, je vais la barrer pour dire qu'ici elle n'y est plus. Et donc je l'ai déplacé ici. Alors finalement en fait ce que ça revient à faire c'est à écrire du coup ce qui nous reste là hein, dans la colonne des unités qui est ici. Il nous reste simplement ce 2. Hein. Donc je vais écrire un 2 ici. Et puis finalement, la dizaine que j'ai supprimée ici, ben, je l'ai mise dans la colonne des dizaines. Donc c'est exactement ce que je vais faire ici. J'avais une dizaine qui, qui aurait dû être ici, mais je vais la mettre dans la colonne des dizaines. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe dans la colonne des dizaines. Je dois additionner les dizaines maintenant, donc c'est ce que je vais faire. En fait, j'ai déjà les trois dizaines du nombre 35. Je vais les mettre là. Voilà. Ensuite, j'ai les deux dizaines du nombre 27. Donc celle-là, je l'ai mets ici. Hein. Et puis, il ne faut pas que j'oublie la dizaine que j'ai retenue, hein, qui vient de la colonne des unités. Alors celle-là, je la copie et je la mets ici aussi. Voilà, pas la même taille, mais c'est juste si tu comptes, il y en a quand même 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simplement, elles ne sont pas aussi bien mises que là. Donc en fait, maintenant, je vais compter combien j'ai de dizaines. Alors ça, bon, ben, je compte tout simplement. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et effectivement, donc j'ai 6 dizaines. Et c'est... Donc je vais mettre ici un 6, ici un 6 dans la colonne des dizaines. Et donc j'ai compté les dizaines que j'avais. Mais euh, j'aurais pu additionner ces nombres-là directement, puisque 1 plus 3, ça fait 4, plus 2, ça fait 6. Donc effectivement, on retrouve comme ça nos 6 dizaines. Alors le truc à bien comprendre, hein, c'est ce qu'on appelle la retenue. C'est le fait de, euh, quand on, ad un, on additionne nos unités et qu'on obtient un nombre plus grand que 10, on prend la dizaine, c'est ce que j'ai fait ici, là, on prend le, le nombre de dizaines qu'il y a là, et on le place dans la colonne des dizaines. Voilà.